Bonjour, je m'appelle Clara Luciani. Je suis née le même jour que Proust, je crois. Et mes seconds prénoms, c'est j'en ai pas. Quand j'étais petite, mon héros, c'était Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort. Et c'est pour ça que je suis devenue blonde platine. J'ai d'abord travaillé avec La Femme, Raphaël, Benjamin Biolay et même... Nekfeu. Se lancer en solo, c'était inévitable pour moi. Mon single actuel, c'est une reprise de Métronomie, car... C'est dur. La variété française, c'est pas toujours ringard. Mylène Farmer est une icône du patrimoine musical français. Mon duo avec Nekfeu était tout sauf attendu. Dans la nouvelle scène française, je me sens proche de... Juliette Armanet et de... Juliette Armanet. Car on a le même goût pour les belles choses et les mêmes plaisirs coupables comme les paillettes. D'ailleurs, je me cache souvent pour faire mes petites affaires. Et quand je vais au McDo, je prends toujours un énorme Big Mac. Sinon, ma grand-mère m'inspire tous les jours. Une nuit avec ma femme, de Samuel Benchetri, c'est à lire absolument. À part ça, regarder Koh-Lanta, ça me détend. Ce que je préfère sur Internet, c'est Combini. Et le hamster est l'animal le plus mignon. Les gens qui nouent leur pull comme ça autour du cou, j'ai envie de les étrangler avec. Sous la douche, je réfléchis à ce que je vais foutre de ma journée. Et je préfère dans le noir. Je vous ai pas dit, je suis née à Martigues. Et chez moi, on met évidemment le Ricard en plus grande quantité que les glaçons. Marseille, on t'adore. Et n'oubliez jamais de garder la pêche.